Salut salut les amis, c'est Imena. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir une petite astuce pour iPhone et aussi iPad. Allez, on y va, c'est parti. Aujourd'hui donc dans cette vidéo, on va voir comment scanner correctement vos documents. Et oui, des fois vous avez des documents que vous devez envoyer par mail ou autrement, hein, peut-être par SMS et tout ça, mais vous faites une photo vite fait avec votre téléphone et on voit les coins de la table, on voit, bref, tout ce qu'il y a autour de la feuille et c'est pas très propre ou c'est mal cadré ou quoi que ce soit, eh bien on va voir qu'on peut faire ça correctement avec l'iPhone et sans passer par une application tierce, c'est-à-dire il y a déjà tout ce qu'il faut dans l'iPhone. Pour cela, vous allez dans l'application Notes qui est ici. Alors, c'est possible que vous l'ayez supprimée, donc si c'est le cas, bah, re-téléchargez-la. Hein. Mais sachez que c'est une application de base de l'iPhone. Et vous allez maintenir votre doigt sur l'application Notes. Ici, vous allez appuyer sur Scanner le document qui est ici. Et voilà, on va vous mettre un écran avec un scan de document. Moi, vous voyez que j'ai mis un petit carnet et là, il est en train de nous scanner tout ça. Une fois que c'est fait, vous voyez, il prend une petite image assez jolie de tout ça. Et franchement, ça fait le café, quoi. Il n'y a aucun bord du plancher ou quoi que ce soit. Et c'est plutôt cool. Et en plus, il le fait automatiquement. Vous voyez comme c'est joli. Alors oui, certes, il y a quand même des reflets, de l'ombre et tout. Oui, forcément, ça prend les ombres qu'il y avait de base. Mais au moins, il n'y a pas tous les contours qu'il y a. Et ça, c'est assez sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette astuce et si vous utilisez ceci au quotidien. Je vous rappelle que cette astuce marche à partir d'iOS 14 et peut-être même iOS 13, mais c'est pas sûr. Si éventuellement tu veux voir d'autres trucs et astuces pour ton iPhone ou ton iPad, je t'invite à regarder la playlist qui s'appelle « Trucs et astuces iPhone iPad ». Le lien est bien sûr dans le descriptif, comme d'habitude. Si tu veux soutenir la chaîne et en même temps te faire plaisir, n'hésite pas à aller voir notre boutique où tu pourras retrouver des t-shirts très sympas ainsi que des coques pour ton iPhone. Si tu veux en savoir plus sur notre boutique, je t'ai mis en description le lien d'une vidéo où j'en parle plus en détail. Si tu préfères t'acheter un truc sur Amazon, on a aussi un lien d'affiliation qui dure 24 heures et qui te permettra d'acheter tout ce que tu veux tout en nous reversant un petit pourcentage, donc n'hésite pas aussi à aller voir le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, car eh oui, on fait bien plus que des tutos. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions. Et attention, si c'est des questions pas sympas, eh bien j'y réponds pas. Voilà, voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Attends. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein, voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein, voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.